Niechże Polska! Nie żyje Polska! Niechże cesarz! Nie żyje cesarz! Donc les musiciens de la garde impériale qui étaient attachés aux grenadiers à pied de la garde impériale, qui étaient principalement des spécialistes venant de l'Opéra de Paris, des musiciens de très grande compétence, une cinquantaine d'entre eux faisaient partie de la musique de la garde. Rouge et blanc, ce qui fait qu'on les surnommait les oiseaux de paradis. Mais bon, ça c'est anecdotique, il y avait des surnoms pour tout le monde. Et il y a ici le tambour-major. Alors, à l'époque, le tambour-major s'appelait Sénot. On disait que c'était le plus bel homme de l'armée. Il faisait 1m90 à peu près, avec son discours, c'est ça peu. Mais il arrivait à 2m50. Il est évident que quand il est à côté de Napoléon, on dit Napoléon est petit. Mais non, Napoléon faisait 1m68. Donc 69. 69. 69, tandis que la taille moyenne de l'armée était 1m65. Oui. La taille moyenne de l'armée est 1m65. Oui, et la taille minimum des conscrits 1m54. Donc c'est vous ça, voyez exactement. Que... Bien, allez, alors, donc on vous l'a dit, infanterie de la Vistule, des troupes polonaises, vous voyez qu'ils ont une coiffure très spécifique avec le numéro du régiment sur la plaque du chaco. Ensemble. Ouais. Donc là, je vous donne l'explication. Pourquoi ces braves 33e, ils viennent de Moscou et de la division de Russie. Oui. Voilà, ils sont bien pour l'infanterie française à 1812. C'est la division Friant et son nom de guerre, c'est Friant. Pour ne pas dire machin. Comment dans la suite, il y a pour nous le prénom Dmitri, mais pour nous c'est Friant. Donc infanterie française, vous voyez, avec l'uniforme bleu, la coiffure, le chaco, le numéro du régiment, 33e régiment d'infanterie de ligne. Enfin, si vous venez cet après-midi, je vous redonnerai d'autres explications à 15h dans le cadre de la, entre guillemets, bataille. Donc, c'est toujours pareil, d'autres unités françaises, infanterie ici du 1er régiment étranger, régiment de la Tour d'Auvergne, carabiniers, c'est-à-dire les troupes d'élite du régiment, et puis voltigeurs également, troupes d'élite du régiment. Là derrière, vous avez des dragons du 23e régiment, donc les dragons, ils sont à la fois des troupes cavalières, mais également des troupes à pied, mais qui les combattaient beaucoup souvent, même à cheval. Ils ont beaucoup combattu dans l'espace, et là, on n'entend plus rien. Capitaine, épaulette à gauche, contre-épaulette à droite. Vous voyez, vous avez tout et vous avez des numéros de régiment sur les boutons. Le chef de bataillon, qui commande, le Ouskol, exactement pareil, 4e régiment d'infanterie de ligne. Ici, il y a ce qu'on appelle un surtout, c'est-à-dire c'est l'habit de campagne de petite tenue. Porte-drapeau, c'est le 3e régiment d'infanterie. Ici, sapeur du régiment de la Tour d'Auvergne, oui, les troupes sont là-bas, les sapeurs du régiment de la Tour d'Auvergne, alors vous voyez les sapeurs qui portent traditionnellement la barbe, et la seule unité qui a gardé cette habitude en France, c'est tout simplement la Légion étrangère actuellement. Ici, de l'infanterie de ligne française, avec ici une coiffure, c'est le bicorne, mais vous comprenez qu'un coup de sabre sur la tête, ça vous envoyait l'homme 6 pieds sous terre. Donc c'est la raison pour laquelle on a remplacé, même un coup de sabre, on ne va pas réussir, même un coup de sabre, on ne va pas réussir à attaquer la tête. Et voyez, les jugulaires sur le côté, ça tient exactement la coiffure, mais si l'homme prend un coup de sabre sur le côté, les jugulaires vont amortir le choc. Donc tout est conçu. Et même normalement, certains soldats avaient derrière, alors moi je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas fait de cheveux, mais je vous montre. Vous voyez, une crinière, voilà. On faisait derrière. Non, mais c'est que vous voilà. Une queue ici, et on mettait même à l'intérieur un morceau de buis. Aussi bien que si le soldat prenait un coup de sabre dans la nuque, eh bien ça amortissait. Les régiments. Alors, les régiments. Vive le 18e. Et qui ont servi avec fidélité l'armée française et ils ont particulièrement dégusté
pendant la campagne de Russie, et notamment la Bérézina. Louis XIV disait un jour à son ministre, « Monsieur le ministre, avec tout l'argent que je verse pour les Suisses, on pourrait paver une route en or qui irait de Paris à Bâle. » Et le ministre lui a répondu, « Avec le sang versé par les Suisses, on remplirait un canal qui irait de Bâle à Paris. » Vous voyez que les Suisses avaient très très grande réputation. Donc ici, officier, capitaine lieutenant, parce qu'il a un ponceau rouge, mais je ne l'avais pas vu. Oui, ça c'est le lieutenant. Donc lieutenant du 67e régiment d'infanterie, compagnie de voltigeurs avec le corps et les distinctives jaunes. En fait, c'est un peu comme le port-salut, tout écrit dessus. Mais il y a une forme de codification qui n'est pas évidente. Chasseur à cheval de la garde en petite tenue, donc les hommes qui étaient la garde rapprochée de l'empereur. Ici, un commissaire des guerres, c'est-à-dire c'était les gens qui étaient chargés de toute la partie administrative de l'armée. Depuis les chaussures jusqu'à la nourriture, en passant par le service de santé, ils étaient chargés de tout cela. C'était une tâche excessivement lourde et on les reconnaît, bien sûr, avec des spécificités au niveau des broderies du collet. Et comme il a ici une aiguillette, il est attaché à la garde impériale. Il n'y avait pas d'armes. Monsieur, on avait une petite épée. Mais j'ai pas mise parce que comme je suis un peu invalide, voilà. C'est un peu lourd. C'est un commissaire des guerres réformé. À défaut de pouvoir le reformer correctement. Donc, grenadier à pied de la garde en surtout. Chasseur à pied de la garde en surtout. Vous voyez les boutons à aigle de la garde impériale. Ici, personnage très important, le tambour, parce que le tambour, c'est ce qu'on a dans notre poche, s'il n'y a pas de tambour, il n'y a pas d'ordre qui sont donnés, et ça pose d'énormes problèmes. Alors ici, on entre maintenant dans la réserve de l'infanterie napoléonienne, qui est divisée au bras, en à pied, et en chasseurs à pied de la garde. Vous voyez les chasseurs à pied de la garde, qui portent des oursons, ici, c'est de la véritable. Comme le Pontou, qui vient du Canada, mais comme Brigitte Bardot ne fait pas partie des spectateurs, c'est pas problème. Et naturellement, taille minimum, état de service minimum, bravoure, etc. Et vous voyez que les officiers ont des épaulettes avec des. Alors ici, capitaine, adjudant, major. Capitaine, adjudant, major, parce qu'il a porté les épaulettes inversées. Ce qu'on appelle les grognards, là. Alors, c'est une expression qui a été donnée globalement à l'infanterie de la garde par Napoléon en 1807. Il leur a dit, oui, vous n'êtes que des grognards, parce qu'ils marchaient dans la boue, ils demandaient du pain, etc. Ils se plaignaient, il leur a dit, vous n'êtes que des grognards. Et après, le terme générique grognard est passé pour tous les soldats de la garde impériale. À vous. Fusiliers grenadiers de la garde impériale, donc c'était des gens qui, avant d'entrer dans la vieille garde, faisaient partie de ce qu'on appelle la moyenne garde, et il y avait même également de la jeune garde. À pied de la garde impériale, et le drapeau, l'aigle du régiment. Donc là, c'est vraiment l'archétype de l'infanterie napoléonienne, avec toute sa légende. Coignet a fait partie de ses unités, etc. Et bien sûr, les tambours qui sont ici, l'officier naturellement, vous voyez, même tenue de campagne ici, avec la culotte bleue, décorée de la Légion d'honneur par l'empereur, à quelle bataille ? Leipzig. Ah, à Leipzig, le 18 octobre 1813, c'est bien. Alors les tambours, pareil, des grenadiers à pied de la garde, ils connaissent les registres par cœur, vous pourrez en bénéficier cet après-midi. Tambour maître, pareil, des grenadiers à pied de la garde impériale. Et puis, nous avons donc, toujours pareil, ici, grenadiers officiers supérieurs, là c'est même colonel, des grenadiers à pied de la garde. Alors vous voyez, les épaulettes changent avec les grades supérieurs. Ça c'est ce qu'on appelle des gros bouillons. Ici, les gros bouillons, autrement, les plus petites, c'est ce qu'on appelle de la graine. Vous voyez comme ça, c'est ce qu'on appelle de la graine d'épinard, en termes d'uniformologie. Et ça, c'est ce qu'on appelle des gros bouillons. Et en visualisant donc deux épaulettes comme ça, c'est le grade de colonel. Donc colonel, Alain. Ça lui donnait le grade de général dans la ligne. Nous avons le président de l'AMOPA parmi nous. Alors tu peux montrer. Ah oui, voilà. Où est M. Meunier? Oui, je ne sais pas où est-ce qu'il est, M. Meunier, il est parti. Oui, alors ce sont les palmes académiques
mais les palmes académiques, à l'époque de l'Empire, elles n'étaient pas portées comme une décoration pendante aujourd'hui. Il faudra attendre 1867. Donc, comme notre collègue est titulaire des palmes académiques, il les a fait reproduire ici, selon le modèle de l'époque. Il ne va pas y avoir beaucoup de... d'officiers donc, on ne sait pas exactement. Il est par ici, modèle 1777 modifié en 9. Et puis, nous arrivons maintenant à Fauchet, Lacréer. Ah, alors là, on arrive dans les trous. Régiment de lanciers Lituin. Ah, régiment de lanciers. Régiment de lanciers. Oui, 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 mais ça c'est le régiment. Là on est dans les troupes russes, régiment de lanciers russes. Vous voyez qu'ils ont sensiblement, ils ont également des coiffures qui ressemblent un petit peu aux coiffures polonaises également. Là on arrive dans les Cosaques. Les Batamans, les Kazakhs. Ah oui, oui, le régiment de la garde. Verde, oui, oui, les régiments de la garde. Parce qu'il y avait dans les Cosaques des Cosaques irréguliers, c'est-à-dire des sortes de gens qui suivaient l'armée sans uniforme, avec des lances, etc. Mais vous aviez également des unités constituées de Cosaques de la garde que l'on voit avec des uniformes beaucoup plus officiels. Et là, c'est un Tcherkès. Bashkir. Alors là, ce sont des Bashkirs. Les Bashkirs, alors, ça faisait beaucoup rire les soldats français. Et comme ils tiraient avec des flèches, on les appelait les Cupidons. Les Cupidons, vous savez, voilà. Mais c'était des Bashkirs qui venaient d'Asie centrale. Donc, ils ont l'arc, ils ont l'arc, ils ont des flèches, etc. C'est tout à fait original. Et à tout les Français se déplaçaient beaucoup pour aller voir ce type de groupe. Ici, c'est l'infanterie de la garde. 21e régiment d'infanterie. Alors, vous voyez que ici vous avez des grenades, donc ce sont à peu près les mêmes insignes que dans l'armée française. Petit détail, vous avez une courroie de serrage ici sur le devant. Donc, ce n'est pas des troupes françaises. Pardon, pour dormir. Ça, tout à fait, c'est leur manteau. C'est leur manteau. Et alors, ils le portent en sautoir, parce que si vous voulez, c'est également une protection. C'est également une protection sur l'abdomen, c'est une protection si vous prenez un coup de sabre, etc. Donc, ça vous protège devant, et bien sûr, ça vous protège le dos aussi. C'est tous les uniformes, il y a toujours un côté esthétique, mais il y a toujours une finalité pratique et défensive. Régiment de la garde artillerie russe. Artillerie russe. Moi. D'accord. C'est l'artillerie en Minsk. Légère bois d'arrivée. En de la garde artillerie de la à cheval. Ah oui, très bien. Donc artillerie à cheval de la garde, artillerie légère russe. Donc systématiquement, vous voyez les canons croisés, etc. Donc l'artillerie, l'équivalent de l'artillerie française, que donc artillerie, artillerie russe. Et là, infanterie. Vitebsk, le régiment de Vitebsk, infanterie russe, régiment de Vitebsk. Grenadier également. Mousquetaire. Mousquetaire. Mousquetaire et grenadier. Mousquetaire et grenadier. Grenadier avec, cette, avec le drapeau russe, et là par contre derrière le drapeau lituanien. Avec le chevalier blanc ici. Donc le drapeau lituanien. Ah oui, oui, le régiment. Biélorusse. Oui, le régiment était à Vitebsk. Enfin, le régiment de Vitebsk, c'est la Biélorussie. C'est pas tellement loin de la Bérézina. Et ici, donc, service de santé, le service de santé du chirurgien, et un représentant. Bon, voilà, chef d'état-major de l'armée russe, général Yermolov. Yermolov. Merci. Bouchaï. On bouge jusqu'à l'artillerie. Deux minutes. Alors ici, de l'artillerie à cheval, de la garde impériale, vous les reconnaissez parce qu'ils ont une coiffure que l'on appelle le callback. Donc ils ont, au départ, le même uniforme que les chasseurs à cheval de la garde. Vous en verrez peut-être cet après-midi si vous venez. Mais la différence, c'est que eux, le fond d'uniforme est bleu, alors que chez les chasseurs à cheval, il est vert. Mais autrement, c'est la même approche, la même distinctive et le même type de coiffure. Donc ils utilisent ici le canon gris-bourbal,
qui est un canon, je vous en parlerai cet après-midi, c'est un canon qui a été mis au point par un ingénieur français qui s'appelait Gribeauval et qui a été le canon utilisé jusqu'en 1822 dans l'armée française. C'est le meilleur canon d'Europe, parce que l'ingénieur Gribeauval avait apporté tout un ensemble de perfections, notamment vous avez un système de vis de serrage ici, vous avez une prolonge ici pour tirer la pièce. Alors ça, vous pouvez peut-être vous demander ce que c'est. Pour refroidir ? Non, c'est tout simplement, lorsque vous mettez une charge à l'intérieur, vous avez une charge qui est dans de la toile, c'est-à-dire vous avez le boulet et puis vous avez de la poudre. Mais pour tenir le tout, on met ça dans une toile qui ressemble un petit peu à de la toile à sac. Ça s'appelle une garcousse. Et vous avez, si vous voulez, du fer très léger qui vous tient, qui tient le total. Bon. Et quand vous allez mettre votre garcousse ici. Vous repoussez la garcousse avec le vouloir. Ici, vous l'emmenez jusqu'au fond, là-bas. Mais une fois que vous allez avoir tiré, si il reste à l'intérieur. S'il reste une combustion, des petites particules, et que vous remettez une autre gargousse, vous avez le bras du type qui part en même temps. C'est la raison pour laquelle, après chaque coup, il faut rincer l'intérieur du tube. On rince l'intérieur du tube systématiquement avec la brosse qui est ici. On rince et ensuite, on peut recommencer la procédure. Donc, pour des artilleurs bien exercés, un coup toutes les deux minutes. Et il y a 8 servants par pièce d'artillerie, plus 7 servants qui font la navette pour aller chercher dans les caissons d'artillerie qui sont derrière tout l'armement qui est en réserve.